Bonne nuit dans cette cabane 3 places. Le temps est vraiment moyen. Ça pourrait se dégager, on verra. On y croit. Ma direction, là. Cabane Courtel-Martin numéro 2. Deux espaces. Un avec un lit, une table. Du gaz. Pas mal. Et l'autre. Beaucoup plus d'espace. Un foyer pour le feu. Belle descente de 500 mètres dans la forêt. Jusqu'à la josse de Cirbal. Maintenant, remonter dans la forêt. Pour rester en hauteur. Au refuge de Rulle, si tout va bien. Une belle vue sur ma petite cabane Courtel-Marty. Look like nice weather is coming. Il va faire beau, on dirait, un peu mieux que prévu en tout cas. De ce côté, ça n'a pas l'air génial. Here where I'm heading for. Ça arrive à entendre, mais évidemment, il y a des moutons. Bon, on va continuer. Fin de la deuxième descente. Là, on va remonter jusqu'à 2000 pour rester en hauteur et avoir le soleil. Et de retour, cabane d'Artaran, squattée par un gaillard avec deux chiens. Moi, en direction du plateau de Veille. La cabane d'Artaran, encore une vue sur ma cabane Courtel-Marty. J'arrive à peine à distinguer. De nouveau, wild, wild, wild. Pas un rat, personne. Pas beaucoup filmé. Parce que j'ai hyper mal à ma jambe. Je dois me concentrer dessus. Lovely, lovely. And me, I'm going to the slope. Putain, je suis pas encore au bout et je souffre de martyr. C'est beau. Et non, j'ai toute cette crève venue de là derrière. Voilà. Ok, c'est beau. Ok, c'est beau ici. Ok, ça se mérite. Il a fait là-haut. Je dois être à 1,5 km du refuge. Toujours pas à vue. Tracer tout ça à la douleur.
de Terre-Neige. Et le refuge d'Urule. La descente doit être violente. Mais elle est en ligne de mire. Quel bonheur. Allez.